Eye problem. A problem visuel. Yes. Oui, des yeux. Yeah, macular. Yeah, eye problem. Yeah. This is a nerve problem. Problème des nerfs. Eye nerve. Le nerf oculaire. Eye nerve. Eye nerve. Before I came here on Friday, the eye doctor. Donc avant de venir, coming to my office. Vendredi, un spécialiste de la vue est venu à mon cabinet. I bought all the equipment for the eye problem. Et a acheté tous les équipements pour les problèmes oculaires. So many people have the eye problem. The doctor knows the eye nerve. Excellent. Donc, aorta artery to the eye, we have seven arteries. On a sept artères. So the doctor, they do not have the technique to check the artery only behind the eyeball. That is the only artery can see by the eye. Ils ne peuvent voir qu'une artère derrière l'œil. Ils n'ont pas la technologie pour voir les autres. But behind this eye artery, they know nothing. Mais derrière cette artère, ils ne savent pas. Why the nerve degenerates? Pourquoi est-ce que les nerfs dégénèrent? Because the artery is getting blocked, cannot send the blood up. Parce que les artères sont bloquées et ne peuvent pas envoyer le signal. So they cut the artery from the heart to the neck, then the third one is called the facial artery. Et la troisième artère s'appelle l'artère faciale. Yeah. Aorta supplement la aorte subclaviculaire et faciale. You never ever hear any eye doctor say, "Oh, your facial artery." Et un spécialiste vous dira jamais, "Ah, l'artère faciale est bloquée." If your facial artery on the neck, too much tension, injury, whatever. S'il y a trop de tension, que ce soit suite à un accident, qu'importe. Then the eye is no blood circulation going up. Il n'y a plus de circulation qui monte aux yeux. So when we open the facial artery on the neck, lorsqu'on ouvre l'artère faciale au niveau du cou, then the eye will have the circulation. La circulation sera à l'œil. Then the eye nerve will regenerate again. Les nerfs des yeux régénèrent. Simple, easy. Simple et facile. Je peux témoigner parce que j'ai ma fille à 16 ans, 17 ans. Elle a perdu la vue. Her daughter, when she was 17, she lost cette maladie. Lost her sight. She was 17. Lost her sight because of macular degeneration. Yes and no, because 17. Elle a été traitée par mon fils en acupuncture et par pharmacopée chinoise en lui irriguant à nouveau la circulation du sang. So her son treated her in acupuncture, yes. Chinese medicine, and irrigated le sang et the blood and worked on her liver. Yes. Mm-hmm. It was the only healing she took, not in traditional medicine. En médecine moderne, il la condamnait. Elle a perdu la vue en une nuit. That's right. She lost her eyesight in one night. So of course, modern medicine. Et sa vue est revenue progressivement. And said she lost her sight. 6 mois, un an, elle a retrouvé le 100% de ses yeux. But in 6 months. Alors qu'elle devait être aveugle totalement. See, the modern medicine said you will be blind for the rest of your life, but with that treatment that her son gave to her, after 6 or 12 months,
it regenerated, she regained her sight 100%. Elle a été suivie par trois hôpitaux, la Salpêtrière à Paris, la Croix-Rousse-Lyon et un autre avion, le Centre Québec des spécialistes pour les yeux. Et les trois l'ont condamnée définitivement. And she consulted three major hospitals in France, one in Paris and in Lyon, and all of them said, no, nothing can be done. Because in the eye of the nerve, the doctor is still not in their study. Mais bien sûr, ça ne fait pas partie des études. Yeah, so because any nerve includes the eye, or they call the pigmentosum also. Pigmentosa macrodegenerates, so far, they don't know how to do. Je ne sais pas la traduire, mais la dégénérescence maculaire, voilà, on ne sait pas faire le lien. And glaucoma. Glaucoma. Yeah. So they don't know how to do. Non, ils ne savent toujours pas. But he worked on the C3, there is a nerve also. Sur la cervicale 3, there in the facial artery. Opening and the eye itself, we call the ouch point. Alors, ce qu'on ouvre dans un cas comme ça, tu as vu, la C3, le C3, le nerf facial et ce qu'on appelle le ouch point. Le ouch point, c'est le point eye, le point de douleur. Donc, dans le cas de ta maman, ce serait là. Voilà, au-dessus des yeux. Tu sais, au-dessus des sourcils. Parce que c'est sans doute là qu'elle. Elle ressent peut-être une lourdeur ou quelque chose comme ça. Yeah. We do a lot of the eye problem, include the eye tumor also. Et avec le Tong Ren, on travaille beaucoup avec des gens même qui ont des tumeurs au niveau des yeux. Oui. Au sujet du cholestérol qui bouche les artères. And what about cholesterol that blocks the arteries? The cholesterol in the history is very confused. Il y a beaucoup de confusion dans ce domaine-là aussi, bien sûr. So the cholesterol, a lot of the people, the cholesterol is dependent the age, dependent your belief. Et selon les croyances que vous portez. So we have a lot of the nurses. So different age, different factors on the nerves, from the nerves, different number of the cholesterol. Donc, bien sûr, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Tu vois les taux de cholestérol, les pratiques infirmières, les croyances de la personne, tout ça entre en. C'est toi qui as posé la question, voilà. So what number in France, the normal number? Ici, quand vous mesurez, par exemple, le taux de cholestérol, selon toi, c'est quoi la norme? Je ne parle pas pour moi, donc je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que le cholestérol qu'il a, il n'y a pas de l'alimentation du stress. Okay, so what her belief is for the person she's talking about, she believes it comes from stress. No, what is the number first? Le nombre, c'est quoi la norme, Véronique, pour le cholestérol? Qui le sait? Mais ça change de... Yeah, Diane says it changes all the time. Yeah. Il change les normes, yeah. Baisse de plus en plus les normes. So be careful. So what Diane is saying, je sais que vous êtes au courant. What number in here now? Well, she says it doesn't matter because it changes all the time. Yes. She says the same thing as you, it's because the lower the number, the lower the norm, the more money. Drugs you buy. Usually, the number in America, 260. Alors nous, on mesurait le cholestérol à 260. Normal. Yeah. Mais c'est pas des normes. Mais ici, non. We can't use that statistic. Doesn't matter. They don't count that. I know. Yeah. Like the temperature. Yeah, c'est ça. Then later, 240. Et c'est exactement ce que tu dis, Diane. Chez nous, en Amérique, la norme qui était, nous, 260. Two years ago, 200. Tu vois, c'est passé de 260 à 240. Il y a deux ans, c'est passé à 200. Regardez, là, ça s'est passé depuis 20 ans. What is about this year? Yeah, she says for 25 years, it's been going down, 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 down. Same thing. This year,
one section. Et maintenant, vous voyez déjà, c'est en 160. How about next year? Et l'an prochain, peut-être 100. Comme tu dis, pourquoi pas? Do you know each time when they drop? Yes. The more money they make. Voilà, that's exactly what Diane said. The more they drop it, the more they can sell you. Yes, so in French, same. What is the blood pressure normal? They don't know. No. Ah, ok, la tension artérielle, c'est quoi la norme? 14.9? Yes. It depends. Yeah, it depends on age. Okay, 60 years old. 14.90. Okay, 14.90. Alors c'est 14.9. Nous on ajoute le zéro, mais c'est la même okay. chose. Okay. Now chose. In America, how about 130.80? C'est ça. Maintenant on dit que la norme c'est à peu près. Good or no good? 130.80? C'est juste la pression. 13/8, c'est bon ou pas? No, 130-80, you require one pill a day. Eh oui. One pill. Si votre tension artérielle est young people, 13/8, the young people, if you are under 30 years old, 125, 75, one pill. Alors, même si vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans, et que c'est 12,5 sur 7,5, un cachet par jour. The people 90 years old, if the people 90 years old, mais si vous avez 90 ans, ils doivent aussi prendre des médicaments s'ils ont. Pour qu'ils aient 14 sur 9. Oui. Je disais, moi, mon mari, il n'arrive pas à dépasser le pas, il a 13, c'est bien.